Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Beaucoup de réformes politiques opérées. Et bien sûr, ces derniers jours au Bénin, en tout cas par la 8e législature, l'Assemblée nationale, on parle de l'adoption, bien sûr, d'un nouveau code électoral, une nouvelle charte des partis politiques, la révision également de la Constitution, l'adoption du nouveau statut de l'opposition, en tout cas, des points qui sont issus des recommandations du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès à Cotonou. La question qui se pose, le Parlement dans sa configuration, surtout un Parlement très contesté issu des législatives du 29 avril dernier, législatives sans l'opposition. Et bien sûr, est-ce que ce Parlement est-elle justifié légalement pour mener ces réformes? Quel va être l'avenir, bien sûr, de ces réformes? En tout cas, d'un point de vue politique, est-ce que ces réformes ont-elles de l'avenir? Quelle lecture juridique peut-on faire? Bien sûr, de ces réformes opérées ces derniers jours au Bénin. Pour en parler sur ce numéro du Décryptage, nous recevons le professeur Chrysal Aguidioli Kenoukon. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cornet. Installez-vous. Oui, Le merci. professeur Chrysal, bien sûr, Aguidioli Kenoukon, vous êtes juriste, enseignant-chercheur à l'école d'administration, à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, directeur du Centre africain de travail, et puis vous êtes également secrétaire général adjoint du Syndicat national des enseignants du supérieur, SINES. Bonsoir, professeur, encore une fois. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, point besoin de vous parler de l'actualité politique au Bénin. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de lois votées à l'Assemblée nationale, des lois qui ont touché à la loi fondamentale et puis aux lois électorales et tout, beaucoup, en tout cas, d'innovations également dans ces lois. Seulement que l'Assemblée étant issue, en tout cas, de ces élections un peu contestées, boycottées largement par, et bien sûr, les Béninois et autres, aujourd'hui, quelle lecture peut-on faire de ces réformes, à commencer par la révision constitutionnelle? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par préciser quelque chose. Bon, j'interviens ici en tant que Chrysal Kenoukon. J'interviens en tant que juriste. J'interviens aussi en tant que Premier secrétaire général adjoint du SNES. Mais ça fait beaucoup. Non, ça ne veut pas On dire. aimerait vous entendre Oui, simplement en tant que oui. juriste. Non, ça ne veut pas dire qu'en tant que Premier secrétaire général adjoint, que je suis ici pour porter la voix de l'ensemble du syndicat. Voilà. Donc c'est Bon. bien clarifié. On a, oui, on a eu. J'ai eu à faire des interventions parce que j'ai été mandaté pour. Mais ici, bon, ce n'est pas le cas. Voilà. Vous êtes en tant que juriste. Oui, en tant que juriste, oui. D'accord. Allons-y. Quelle lecture juridique peut-on faire? Oui, et vous avez demandé, bon, la lecture juridique, que je peux faire des réformes d'une manière générale et surtout de la révision constitutionnelle. Constitutionnel. Je crois que des voix plus autorisées que moi en matière de droit public, Constitutionnel. hein, on y a opiné. Et même des praticiens du droit, on y a opiné déjà suffisamment sur la question de la révision constitutionnelle. Mais je voudrais tout simplement dire ici que, bon, j'ai écouté les uns et les autres, mais je ne suis souvent pas satisfait parce que, d'abord, s'il faut parler de la révision constitutionnelle, est-ce que notre constitution a été révisée? Moi, je crois que non. Pourquoi vous dites ça? Pourtant, la Constitution est révisée, Parce que promulguée et s'impose à tous les Béninois. la révision, c'est quoi? C'est d'introduire de nouvelles données dans la Constitution ou d'en retrancher, mais en suivant une procédure. Mais la procédure a été quand même suivie, Non. professeur Kenoukon. Laissez-moi faire ma démonstration. Dans un premier temps, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous avons fait des élections. Et ces élections ont été contestées. Pourquoi contestées? Parce que tout simplement, du point de vue de la légalité, aussi bien les textes régionaux, juridiques régionaux, notamment de la CEDEAO, ceux de la CEDEAO, ont été violés.
Parce que il y a un traité de la CEDEAO qui dit, pour éviter des conflits post-électoraux, et qu'on reconnaît à nos États, puisque ça devient récurrent, et ça débouche sur des conflits même atroces, le cas de la Côte d'Ivoire, qui est le cas le plus récent, est là, que moins de 6 mois, il va falloir faire en sorte pour que l'on ne touche plus aux lois électorales du pays. Mais est-ce que nous l'avons respecté? Ça, c'est la première question. Moi, je réponds non. Puisque ces lois, votées, promulguées, mais... Vous parliez de l'ancien code électoral, pas... Non, ce n'est pas ce qui a été... Voilà, ce qui est bien avant les élections législatives. Non, ce qui a été révisé même illégal. Bon, enfin, je vais y revenir. Donc, je parle d'avant... Ce qui s'est passé avant les élections. Oui, avant les élections. D'avril dernier. Voilà. Et si nous avions des institutions fortes au niveau de la sous-région, on allait même arrêter le processus électoral. Parce que nous faisons partie de la CEDEAO. Et nous avons adhéré au texte dont je parle. Donc, si au niveau de la CEDEAO, les institutions étaient fortes, on allait lui dire, on allait dire au Bénin tout simplement, mais écoutez, ce que vous faites là, nous ne voulons pas avoir des conflits, surtout qu'il y avait des contestations autour. Oui, d'ailleurs, souvenez-vous... Le plan qui s'était posé, en oui, tout cas... Je viens. Souvenez-vous qu'en ce moment aussi, bien la CEDEAO, même l'Union africaine... même le président en exercice de la CEDEAO, tout cela, même le Nigeria à côté avait envoyé des gens. Donc c'était pour prévenir la situation que nous sommes en train de vivre. – Ce qui s'était posé comme problème n'était pas forcément lié à l'application de ce code. – Non, je suis en train de faire… – le processus de conformité. – Oui, je suis en train de dérouler une logique, tout simplement. Donc, on n'a pas respecté les textes, même au niveau… régional. Ensuite, revenons maintenant au texte interne. Je parle bien de la loi, et de la charte des partis, et du code électoral d'avant le 28 avril. Mais ce texte ne comportait pas ce que nous appelons le certificat de conformité. Et quand ça faisait remous, quelqu'un a dû saisir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, d'accord, a tout pouvoir d'apprécier, mais ne peut pas rentrer dans l'opérationnalité. C'est-à-dire, la Cour, tout simplement, en principe, ne devrait que constater à qui manque le certificat de conformité et d'inviter le Parlement. Même pas une procédure d'urgence, puisque ce n'est pas une loi fondamentale, donc, et d'inviter le Parlement à donc pallier à l'insuffisance de la loi. Mais on n'a pas fait ça. La Cour directement dit qu'il faut certificat de conformité, et puis après, a exigé que l'exécutif prenne cela en compte. À partir de ce moment, il y a une immixtion non seulement de la Cour constitutionnelle, dans les fonctions exécutives, et aussi une immixtion dans les fonctions législatives. Oui, mais tout ceci n'avait quand même pas empêché les partis à pouvoir observer la procédure. C'est parce que vous avez demandé si tout ça là, parce que la question, que ce soit de légalité ou de légitimité, se pose. Je crois que vous avez, ça a été dans votre introduction. Donc, je suis en train de faire une démonstration. Donc, on a tout fait. Puisqu'on détient le pouvoir, on a voulu en abuser. Et on a dit, écoutez, donc, en tout cas, que vous le veuillez ou non, nous allons aux élections. Et il y a eu passage en force. Non, mais là, on ne peut pas parler d'abus de pouvoir, là, professeur Kenoukou. Si on a demandé aux partis quand même de se mettre en conformité par rapport au test. Je vous ai expliqué. Et que les partis en son temps. Non, je vous ai expliqué. Il fallait tout simplement. La Cour a tracé le cadre. Il faut un certificat de conformité. Mais ce n'est pas la Cour d'exécuter. C'est ça ce qu'on dit. Mais la Cour, dans sa décision, a demandé que l'exécutif l'applique directement.
Alors que nous sommes devant des lois, et des lois législatives, ça veut dire tout simplement, mais ce repas, nous ne nous situons pas en face des arrêtés ou des décrets. Donc, la Cour devrait dire à l'Assemblée, allez, donc pallier à l'insuffisance de la loi. Mais ici, on a dit non, il faut que le ministre de l'Intérieur prenne en compte un certificat de conformité. Ça fait une immixion de la Cour constitutionnelle dans les fonctions exécutives et en même temps, une immixion dans les fonctions du législateur. C'est ça le problème. Et du coup, donc on est allé aux élections sur ces bases-là. Ça a rendu. Donc, j'avais soutenu, je crois, dans une. Il y a deux semaines, la même version pour dire qu'il y a illégalité, que c'est une institution illégale. Évidemment, des collègues ont estimé que non, qu'il faut parler de la légitimité. Vous parlez de justement, la 8e législature. Oui. Non, je parle de l'illégalité. Oui, je crois que c'est ce qui est là, qui est la 8e législature. Tout à fait. C'est illégal. Maintenant, je suis d'accord avec les collègues qui estiment qu'il faut parler de légitimité, mais c'est une situation, une série de violations de loi, donc d'illégalité, qui a conduit à la légitimité dont certains parlent. C'est-à-dire à l'illégitimité de l'institution dont certains voilà. Donc à partir de ce moment, on a quand même vu en ce moment. Je voudrais aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc à partir de ce moment, lorsque l'institution installée de façon illégale et qui est devenue donc illégitime, ça je le concède. Et aux collègues juristes qui m'ont interpellé quand j'ai focalisé ma réflexion uniquement sur l'illégalité. Donc, l'institution étant illégale ou illégitime, pour moi, peu importe, puisque la frontière entre les deux notions juridiques, la frontière, elle est fluctuante. Donc, à partir de ce moment, cette 8e législature n'a plus non seulement de légitimité, comme on le dit. Donc, tous les actes posés devraient être frappés de nullité. Ça, c'est très clair. Les actes devraient être frappés de nullité. Donc, à partir de ce moment, la révision de la Constitution dont vous faites état, pour moi, n'en est pas une. Vous savez pourquoi? Dès lors que l'institution installée de façon illégale et dont certains parlent, l'institution devenant donc illégitime, mais moi je dis illégale, dès lors qu'il en est ainsi, et que cette institution pose des actes, il faut les annuler. Mais vous dites, qui pour les annuler en fait? Puisque nous avons quand même eu quelques. Même s'il y a eu ces problèmes, donc. La difficulté de mise en application du code justement, de la même s'il y a eu ces problèmes, on a quand même eu. Je vous une remercie. Avec 83 députés qui sont quand même sortis de ces élections bien installées. Merci. C'est là la délicatesse. Qui peut annuler? Celui qui peut annuler, évidemment. Il y en a qui ont proposé une solution politique, dialogue social pour remettre les pendules à l'heure. Dialogue politique. Mais puisque c'est eux, donc on a mélangé le juridique, judiciaire, institution de contre-pouvoir, tout ça là aujourd'hui. Mais ça dit, on ne fait plus la différence entre le politique et toutes ces institutions-là. Vous êtes béninois. Et observez bien ce qui se passe. Donc à partir de ce moment, pour moi, il n'y a pas une révision de la Constitution. Évidemment, pourquoi il dit qu'il n'y a pas eu de révision? Pour moi, il y a eu ce que je qualifie d'agression, une agression physique. Parce que Mais pour ça, Kenko, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que y a quand même eu, à un moment donné, la classe politique s'est réunie quand même, on a fait le dialogue politique. La classe politique ne s'est pas réunie. Et les partis politiques reconnus légalement ont fait des propositions. Il faut nuancer. Et c'est sur ces propositions quand même que... Non, il faut nuancer. La classe politique ne s'est pas réunie. Mais
une partie de la classe politique. Sur neuf partis politiques non, écoutez, reconnus légalement, il y a huit partis présents. Non, nous n'avons pas neuf partis politiques au Bénin. Ça, c'est se mentir. Et c'est parce que nous mentons. Depuis l'avènement de l'achat de la nouvelle partie politique, non, c'est parce que nous, partisans, non, 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 les autres se réclament toujours, estiment toujours que leur parti politique existe, et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas leur nier ça. Qui va nous dire aujourd'hui que le PRD n'existe pas? Qui va nous dire que le PCB n'existe pas? Qui va nous dire que le parti, je sais, le parti de Claudine, quoi là, Claudine Prudencio, etc. Non, mais ces partis ont eu leur certificat de conformité de façon définitive. Mais qui va nous dire que FCB n'a pas eu ça? Ça dit que FCB n'existe pas. FCB l'a eu également. Mais non, FCB n'a pas eu ça, justement. Voilà mais c'est eux qui l'ont dit. Ils l'ont dit publiquement et tout le monde sait qu'ils l'ont eu. Non, je crois. Je n'aimerais pas que le débat que nous sommes en train de faire soit un débat de plus. Ils l'ont eu. Mais tout ça là, est-ce que ça concourt à administrer le pays de façon pacifique? On triche. C'est de la tricherie. C'est-à-dire, c'est connu de tout le monde. Si on pioche deux individus ici, on pense. C'est-à-dire, nous nous détournons des objectifs réels au profit, des futilités. Pour vous, les objectifs réels, c'est respecter les règles de la démocratie et de l'état de droit qui devraient conduire au développement du pays, lequel développement ne saurait se faire sans une paix. Aujourd'hui, maintenant, on n'est pas en paix. On n'a pas besoin d'attendre. Vous circulez tranquillement, vous rentrez chez vous, vous exercez vos activités. Mais pourquoi vous dites qu'il y a pas, que vous n'êtes pas. Écoutez, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous qui êtes là maintenant, vous êtes un journaliste. Je suis sûr que ce que vous pensez là, vous ne le dites pas haut et fort. Vous ne pouvez pas. Ah, mais c'est ça. C'est Professeur Kenkon, c'est cela ce que nous pensons que nous disons. Non, au risque d'être d'abord sanctionné par votre patron, parce que peut-être votre patron serait tenaillé quelque part, par le cordon invisible. En tout cas, pas ici. Pas chez nous. En tout cas. Nous travaillons en toute liberté. Je voudrais dire tout simplement. Avec le professionnel nécessaire. Non, c'est justement pour ça que vous êtes là ce soir. Je voudrais dire tout simplement qu'on ne se ment pas. Nous sommes d'accord. Si je prends par exemple l'intersyndicale des UNB, dont mon syndicat fait partie et dont je fais partie en tant que premier secrétaire général adjoint, à la veille des élections, on l'a dit, que tout passage en force aggraverait la crise. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'assister. Donc la crise toujours pour vous... Mais écoutez, après les élections, d'abord, vous avez écouté la sortie de Jean-Baptiste Elias, que j'admire beaucoup et que je félicite en passant. Ah voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dénoncé. Mais attention, il faut être courageux pour le faire sous ce régime. Alors, mais pour ce... Mais je suis en train de lui dire, de dire à Jean-Baptiste Elias qu'il n'a qu'à tenir fort et qu'il n'est pas le seul. Puisque à un moment donné, ça va exploser, on ne se ment pas. Nous mentons, les conseillers autour du chef de l'État là sont en train de lui mentir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire alors nous sommes? Parce que donc, je disais, et ça s'impose à vous également, professeur. Oui, je vous disais rapidement que, pour moi, notre constitution n'a pas été révisée. Mais il s'est fait que des détenteurs de pouvoir qui en abusent sont allés agresser. Vous avez entendu le professeur Joël Aïvor, que je salue en passant, parce qu'il reste encore l'un des rares cadres universitaires élites qui exprime haut et fort un point de vue divergent. Sauf que j'ouvre la parenthèse pour dire que sur ce point précis, je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, puisque je l'ai vu développer et qu'on ne devrait pas réviser la Constitution en procédure. Je suis d'accord avec lui. Mais pour moi, il n'y a pas de révision. Les gens sont allés agresser. C'est-à-dire agresser même physiquement notre loi fondamentale. 83 députés se sont levés pour ce qu'elle nous convient. C'est tout à fait... Je ne m'attaque pas à la personnalité, c'est-à-dire aux personnes des députés.
Mais je dis, ils ne sont pas des députés du peuple béninois. Ils sont députés tout au plus de 27%. Oui, mais ça représente, puisque tout le monde connaît les conditions dans lesquelles c'est intervenu l'élection. Encore que si vous avez écouté Jean-Baptiste Elias, vous avez vu que ces 27%-là, avec l'invention par quelqu'un que je respecte bien, qui n'est pas juriste, et c'est lui qui vient nous apprécier, et comment on dit là, des fautes majeures, des fautes mineures. Mais écoutez, vous ne voyez pas un peu qu'on s'amuse avec notre pays? Et là, le politique, à 100%, n'a pas tort. C'est nous, élites, parce que ça fâche, ça énerve. Et je vais même incriminer le système éducatif. Parce que notre système éducatif n'apprend pas aux gens comment affirmer sa personnalité, comment affirmer son identité. Et c'est ça. Vous allez voir de ces cadres-là, on va dire agréger de ci et de ça, mais pour un rien du tout. Et le plus souvent, c'est même des marchands d'illusions. Et puis, quand vous les voyez agir, ils vont dire une chose ici, rapidement, le lendemain, vous les méconnaissez. Écoutez. Si demain, on vous fait des propositions, on vous balance à un ministère, vous allez peut-être changer de discours. Non, écoutez, aussi. C'est ça aussi le type béninois, est-ce que vous écoutez, je peux vous dire. Le régime qui va dire que j'ai fait promener moi mon CV pour être patron quelque part, je veux bien qu'on me le prouve. Mais ce que je veux dire est ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire baisser la tension et puis pour sortir de cette situation que vous... Bon, vous me demandez ce qu'il faut faire. La réponse existe, des voies autorisées, que ce soit le clergé, que ce soit les imams, que ce soit la chefferie traditionnelle, et que ce soit la CDAO, écoutez, Mathieu Kérékou l'a si bien fait. En 1990, il faut réunir toutes les couches de la nation et dire voilà, moi, en prenant le pouvoir, j'avais pensé que ceci, c'est ça. Mais après 3 ans, j'ai remarqué que les volontés sont parallèles entre ce que moi je pense faire. Et ce que vous croyez que je puisse faire, la volonté, entre ce que le président Patrice Talon nous propose et la volonté du peuple, ces deux volontés-là sont parallèles. Patrice Talon n'est pas auteur de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, professeur Chrysal Kenoukou. Non. On est bien obligé d'appeler le nom Patrice Talon. C'est lui qui nous a présenté un projet de société. Aucun député ne nous a présenté un projet de société. Qu'on le veuille ou non, c'est lui. C'est parce qu'il a accepté nous gouverner au moins pendant 5 ans, mais que j'appelle son nom. Nous sommes d'accord. C'est imploré, en tout cas. Donc, tu as un bon père de famille à pouvoir... Non, pour aller. Donc, ce que je dis, puisque la volonté de sa volonté et la volonté de son équipe, que ces volontés-là sont parallèles à la volonté du peuple, de la grande majorité, c'est d'appeler les gens pour dire, écoutez, maintenant, je ne vous comprends pas. Moi, j'avais dit si. Mais quand je fais ça, on fait le point. Et comme on l'a fait en 90, on va dire si, c'est ça. Faites ci, faites ça. Ça ne veut pas dire qu'on va lui arracher son fauteuil. Nous sommes d'accord? Mais ça va permettre à tout le monde, même à la société civile, même aux organisations syndicales, à ce forum-là, de dire ci, de dire ça. Et puis, on lui fait un rapport et lui-même va dire, donc ça veut dire que pour les 2 ans qui restent, ou bien même si je dois briguer un second mandat, qu'il faut aller dans telle direction ou dans telle autre. Donc, moi, je crois que c'est la seule issue. Autrement dit, ça me fait un peu peiner quand on parle de fermeture de nos frontières. Et puis, voilà, on expulse chose-là. Je ne dis pas. Non, on n'a pas parlé d'exclusion, on a parlé du retrait d'agrément par rapport de la délégation. Attends, nous connaissons. De l'Union européenne. Écoutez, nous connaissons les jeux de mots. Ce n'est pas nous qui avons inventé ces mots. Nous sommes d'accord. Expulsion, retrait d'agrément. Je suis d'accord, juridiquement, il y a une nuance. Nous sommes d'accord. Mais et le résultat? Voilà. Et le résultat?
Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train d'interpeller les ambassadeurs béninois partout? Donc, c'est pourquoi je dis, il faut un langage franc. Les collègues ou les élites autour du président, certainement, ils ont une certaine vision, mais il faudrait aussi qu'ils comprennent que nous autres qui ne sommes pas dans les sirènes et dans les arènes du pouvoir, que ce que nous disons aussi, qu'on ne peut pas tout rejeter systématiquement. Voilà. Et je refuse aux gens que l'on pense que lorsqu'on arrive, dit quelque chose, que bon, vous êtes opposant, c'est faux. C'est faux. Maintenant, tant pis si sur des points donnés, ce que nous disons rejoint ce que l'opposition dit. Tant pis. Et on ne se tait, nous n'allons pas nous taire parce que. Est-ce que lorsque le président actuel était à Paris, il se taisait là-bas. Diogbenou qui était son avocat. Et lui aussi, il parlait, non? Mais je crois qu'ils ne nous ont pas interdit encore. C'est-à-dire, de parler, c'est pas la même chose. D'exprimer notre liberté. En tant que professeur Crisal, oui. C'est ça. Oui. Vous n'êtes pas de l'opposition. Non, je ne suis pas de l'opposition, pas du tout. Ce n'est pas la même bataille. Non, pas du tout. La situation actuelle, l'opposition également a beaucoup de choix à se reprocher. Vous le savez très bien. Non, je ne rentre pas dans le débat opposition-mouvance parce que les opposants d'aujourd'hui sont ceux-là qui nous ont dirigés hier. Et je crois aux élections, on n'a pas voulu d'eux. Nous sommes d'accord. Les personnes n'ont pas changé. Et je ne suis même pas sûr. Est-ce que leur programme, c'est leur projet de société, est-ce que ça a changé? Donc, nous, ce que nous disons, le régime actuel doit revoir sa copie et comment c'est d'accepter d'aller à un dialogue national. C'est ce que nous sommes en train de dire. Très bien, merci. Et on ne peut pas nous refuser de ne pas dire ça. Merci, professeur Crisal. Vous êtes juriste, ancien chercheur, vous avez opiné sur les récentes réformes politiques, en tout cas au Bénin. Pour vous, la crise politique persiste malgré ces réformes qui sont censées, en tout cas, sortir le pays de cette crise politique après le dialogue politique des 10, 11 et 12 derniers. Pour vous, il n'y a pas eu de révision de la Constitution. Vous avez surtout incriminé l'élite qui semble-t-il, en tout cas, ce qui, selon vous, ne joue pas bien son rôle pour amener les politiques sur le chemin du développement. Il faut que le régime, en tout cas, le président Patrice Talon, accepte d'aller à un dialogue national pour remettre, bien sûr, les divergences, pour fêter les divergences et ramener le pays sur le vrai chemin du développement, toi, pour l'enracinement de la démocratie paix. Et surtout la paix. Vous l'avez dit, Crisal, bien sûr, Kenkon Aguidjoli. Merci en tout cas à toutes et à tous. C'était le décryptage Sueden Télévision. Igor Mtondi a assuré donc la réalisation. Chimène Claudia Doussou au son. Damien Pedro, la caméra. Et toute l'équipe vous remercie d'ailleurs pour avoir suivi cette émission. Au revoir.